Et on vient donc de là. De là-bas exactement. Tout au fond. Le sol il est pas top, peine de trou. Je te suis, hein. Ah, le chemin, on le voit là. Là-bas, en bas. Tu vas couper où? Faut aimer la montagne quand même, hein. En plus, il fait un froid de canard là-haut. On voit le chemin. Et voilà, sommet du Cheval Blanc par la crête. On vient de tout là-bas. Ça fait 23 km, 4 heures et 1260 mètres de dénivelé qu'on est parti. Digne là au fond, le fameux observatoire. On continue la crête qui nous amène au Paluet. Et nous, on devrait redescendre par le chemin qu'on voit par là. Bon, on a attaqué la descente, le chemin il est tout en travers là. C'est pas cadeau, hein. Il vaut mieux sortir le pied droit contre la montagne. Parce que le chemin est pas bien plat et tout s'en va. Alors voyons voir ce qui nous attend. Ça a l'air meilleur là. Alors c'est grandiose comme chaque fois. Bon, faut faire un petit peu attention au niveau du chemin, c'est tout. Ouais, voilà, on revient, on arrive sur la cabane du Cheval Blanc qui est là. On voit tout ce qu'on a fait tout à l'heure. On est remonté toute cette crête en poussant. Après on a fait toute la crête jusqu'au sommet qu'on voit pas, qui est beaucoup plus à droite. La boucle est bouclée, monter par les crêtes, descendre par le sentier. Passer à la cabane, on va faire une petite pause et après on rentre. En prenant le sentier qui se trouve en face.